Ah, vous êtes là. Ah, pardon, ça fait quand même une heure que je n'arrête pas de filmer des vidéos réactions. Je commence un peu à perdre patience. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Spreezet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à la bande-annonce du film Manhattan Lockdown avec en tête d'affiche Chadwick Boseman, celui qui joue Black Panther dans le MCU. Ce film devrait sortir en tout début janvier 2020 et je vais vous lire le résumé du film. Ce film va raconter l'histoire d'une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. L'inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, d'autant qu'une gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler l'île de Manhattan, fermant l'ensemble de ses ponts dans une spectaculaire opération. La traque peut commencer. Ce film, donc, traduit en français par Manhattan Lockdown et en anglais qui s'intitule 21 Bridges, donc 21 ponts. Pourquoi Manhattan Lockdown? Bon, bah, parce que c'est l'île de Manhattan qui est fermée, quoi. C'est un blocus. C'est le siège de Manhattan. C'est un film de Metropolitan Film et on va voir ce que ça va donner. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, réaction. Générique. Lockdown, bande annonce, c'est parti. Tu es celui qui exécute les tueurs de flics. Ah, un agent secret. Ah, le 1er janvier, ok. Combien de policiers? 8. Le pire carnage vu en 18 ans. Ils avaient été appelés pour un cambriolage. Fusillade en cours, officier à terre. Oh là. Si tu choisis, c'est pas pour rien. Je vais les retrouver. Si on choque pas ces types dans les 3 ou 4 heures, ils disparaîtront. Oh. Que comptez-vous faire? Il y a 21 ponts qui permettent de sortir de Manhattan. On monte des barrages. Oh. On arrête tous les trains, on ferme toutes les stations de métro. Stylé. On inonde l'île de flics. Oh oh oh. Produit par les frères Russo. Le deal c'était 30 kilos et on se retrouve avec 300. Oh. Il se passe quoi là? Je veux la vérité, c'est tout. Ils m'ont dit que t'étais une tête brûlée. Celui qui exécute les tueurs de flics. Personne ne le touche! Il est à moi! Oh là! Non, 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 non. Non, 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 vous n'allez pas nous faire je sais plus parler. Vous n'allez pas nous faire ce coup-là. La dernière scène, vous avez vu? Est-ce que ça va partir en Gemini Man? Encore. Oh là là. Pourquoi est-ce que vous voulez tout le temps mettre des doubles? Quand on parle d'agent secret ou de tireur d'élite, leader, grand tireur, bref, tout ce beau bordel à qui on fait appel quand les flics ne sont pas assez talentueux. Bon, bon, l'argument de vente, ça se voit, hein. Bon, c'est le genre d'action et le genre policier qui sont à l'honneur dans ce film. Mais ce qui attire l'œil dans la bande-annonce, c'est bien sûr le fait que ça soit produit par Anthony et Joe Russo, qui sont réalisateurs de Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Bien sûr, c'est ça qui attire l'œil dans la bande-annonce, hein. Et bien sûr, c'est qu'il y a aussi Chadwick Boseman qui a joué dans Black Panther. Waouh, MCU. Oh, 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 oh. Ouais, attention Metropolitan Film, je crois que vous êtes dans la ligne de mire de Disney. Vous serez peut-être le prochain petit studio à les rejoindre. Ah, la guerre des sociétés de production. Bon, de quoi va parler ce film? Bon, pas grand chose de plus que ce qu'on a à dire dans le résumé. Ça va être l'histoire de l'inspecteur Davis, un agent assez secret qui tue les tueurs de flics, comme il est désigné dans la bande-annonce, et qui va être appelé à la suite d'un braquage où 8 flics ont été tués, et il va décider de barricader, enfin, il va décider de fermer absolument toutes les issues de l'île de Manhattan pour essayer de les coincer.
Ok, Manhattan Lockdown au cinéma le 1er janvier, ça va être un film très certainement intéressant. Est-ce que ça va être à la John Wick? Peut-être. Est-ce que ça va être à la Gemini Man? Peut-être. Alors, je n'ai rien contre Gemini Man, mais bon, sachant que Gemini Man est sorti il y a 2 mois, ce serait chiant de voir une autre histoire avec un agent double comme ça. Je crois qu'ils en auraient fait un peu trop, là. Ça sentirait un peu... le plagiat. Mais plus que du plagiat, là, c'est carrément... oh, ils avaient la même idée en même temps, c'est fou. Si c'est vraiment comme Gemini Man, ça va être vraiment une guerre pour savoir qui a fait le film en premier et pour savoir qui est responsable du plagiat ou non. Pas vrai, madame? Cascar The Wild, hein? Voilà, ça la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux et aussi à suivre toutes mes autres vidéos en activant la cloche. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et c'est sûr, hein, là, il n'y a que des vidéos réactions, donc demain, c'est sûr, il y a une nouvelle vidéo réaction qui sortira. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo réaction. C'était S3Z, coupé.